Oh, c'est Sylvie. Ah, attends. Attends, Sylvie. Attends. Attends. J'ai aimé. Oui. Oui, allô, Sylvie. Salut, Jean-François. C'est terminé, le gâteau. Oui, c'est terminé. Je suis en train de verser tout ça dans le moule. Oh, ça va être très bon. Oui, tu sais, tous nos ingrédients ensemble, ça va faire un gâteau incroyable. Incroyable. Et je pense que le curé Jacques va se régaler et on va lui apporter lors de la célébration de Pâques à l'église Saint-Rémy. Ah, j'ai très hâte. Oui. J'ai très hâte à cette belle célébration. J'ai hâte, moi aussi. C'est mon premier gâteau depuis longtemps, là. Wow. Ouais. Tu vois, les ingrédients, tout seul, ça fait pas un gâteau. Il faut les mettre ensemble. C'est comme nous, tout seul, on peut avancer, mais ensemble, on va plus loin. Wow! Oh oui! Et tous nos ingrédients ensemble, ça va faire un gâteau délicieux. Exactement, exactement. Comme nous ensemble, on forme l'Église. Nous sommes l'Église. On a besoin des autres pour avancer dans la vie. Et les autres ont besoin de moi. On a tous quelque chose à apporter dans notre communauté. Exactement, Sylvie. Comme j'aime entendre dire ça. Et le temps du carême, il est là pour qu'on puisse marcher ensemble vers Pâques. Que c'est grand tout ça, wow! Et nous, on a marché ensemble pour préparer ce beau gâteau-là. Exactement. Et je reviens à Mère Bruyère, Sylvie. Mère Bruyère n'a pas vécu toute seule. Elle pouvait compter sur la présence de ses compagnes. Les élèves de l'école Élisabeth Bruyère vont nous en parler. Écoutons-les. On a choisi de vivre ensemble. Il est bon d'habiter en communauté. Ensemble, nous arrivons à faire beaucoup de bien autour de nous. Nous faisons rayonner la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, les communautés créées par Élisabeth Bruyère rayonnent encore au Canada, en Afrique, aux États-Unis, au Brésil et au Japon. Dans notre vie, on a la chance de faire partie de plusieurs communautés. J'aime aller à mes cours de danse. On travaille ensemble pour être en harmonie. Mes coéquipiers et moi, on travaille fort vers un but commun. On s'appuie les uns sur les autres. Ma famille, c'est mon clan, mon soutien. Elle est là pour me soutenir à travers les hauts et les bas de la vie. À l'école, il est vraiment agréable de se retrouver entre amis. On s'amuse beaucoup, tout en travaillant et en apprenant. Mère Bruyère, tu as fondé une communauté religieuse, les Sœurs de la Charité d'Ottawa. Et tu nous invites, nous aussi, à vivre en frères et en sœurs. Et c'est ça l'Église de Jésus, où on veut bâtir un monde meilleur, plein d'amour, de justice et de paix. Et ensemble, on va le faire. On ne peut pas être chrétien, chrétienne, toute seule. On marche ensemble, on s'entraide. Et toi, cette semaine, est-ce que tu seras capable d'aider quelqu'un, d'être solidaire les uns des autres? Tu as plein de bonnes idées dans ton cœur. Et c'est ça le cinquième ingrédient. Vivre ensemble pour bâtir un monde meilleur. Et Jésus nous accompagne sur ce chemin. Allez! Voilà.